tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mes graines. Je pense que j'ai terminé ma sélection. C'est bon, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Enfin, je vais essayer de me restreindre à ça puisque j'ai plus gros yeux, grand ventre en général. Donc là, ouais, je pense qu'on s'est arrêté là. J'ai récupéré des graines de l'an passé. J'ai racheté des graines cette année. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai prévu de planter et où est-ce que j'ai prévu de le planter et à quel moment je vais commencer mes semis ici. Donc c'est parti. Première graine que j'ai récupérée depuis l'an passé, ce sont les tournesols de l'année 2023. J'en avais fait plusieurs paquets. Il y a un paquet qu'on a donné au fur et à mesure aux oiseaux là pendant cet hiver. Quand les beaux jours vont revenir, dans un mois et demi, on arrêtera avec Louis. Et puis un paquet que j'avais gardé pour moi pour les planter. J'avais aussi récupéré des graines de zinnia. Donc il m'en reste encore quelques-unes. Ça c'était les Lily Pud Salmon que j'avais planté l'an passé, que j'avais acheté chez Fleuret Farm. On refera quelques semis aussi de ce qui me reste. Ensuite, première commande que j'ai faite, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'ai commandé des originales de chez Fleuret Farm. Cette année, ils ne vendaient que leurs créations à eux. Donc parmi toutes ces créations, j'ai acheté des zinnia Down Creek Pastel, super belle comme ça. Donc c'est des zinnias qui sont plus grandes que les Lilliputs, comparément à l'année passée. Encore des zinnias Down Creek Blush, donc ça se ressemble quand même pas mal. Et des zinnias Alpen Glow. Voilà, donc ça va être magnifique, j'ai trop trop hâte. Donc vraiment les zinnias, c'est les plantes les fleurs les plus faciles à faire pousser. Si vous voulez pas vous embêter à faire des semis, franchement mettez-les directement en terre. En mai, début mai, c'est très bien. Alors c'est bien d'attendre les saintes glaces 10-11 mai parce qu'après il y a moins de risques de geler. Et surtout pour la graine en fait, plus vite elle va germer dans le sol, moins elle aura de risques de pourrir ou de se faire manger. Je pense surtout aux graines de tournesol, mais par les oiseaux, etc. Donc c'est vrai que ça vaut pas le coup de le faire trop tôt. Mais souvent, j'écoutais, c'était un jardinier qui disait ça, les jardiniers tardifs, donc les retardataires, sont souvent récompensés parce qu'en fait, ça sort plus rapidement du sol, du coup, il y a moins de risque de perte. Pour les faire en semis, donc les commencer en petits godets, en petits pots à l'intérieur, avant de les passer à l'extérieur début mai pour acclimatation et les rentrer le soir, et ensuite, une fois qu'ils sont bien, ils sont prêts, les passer en terre mi-mai, vous pouvez commencer entre 4 et 6 semaines avant vos dernières gelées, donc souvent en France 4 et 6 semaines avant le 12 mai, donc soit commencer mi-avril, soit commencer début avril. Donc voilà pour les zinnias de chez Fleuret Farm. J'ai pas commandé de cosmos chez eux puisque cette année il y avait que des variétés originales à leur ferme, donc il y avait pas de cosmos, il y avait surtout des zinnias, il y avait des graines de dahlia. Je suis pas repartie sur des dahlias cette année, j'en ai pas acheté. Vous avez vu dans ma vidéo mes bulbes pour cet été, j'ai pas acheté alors c'est des racines tubéreuses en fait, dahlia. J'en ai pas acheté. Il m'en reste un que j'avais laissé en terre et je vois qu'il est en train de repartir. Bon, il faut manger. Hein. Je vais ressortir les aiguilles de pin. Parce que j'en ai marre. Je l'ai mis du coup dans un coin d'un de mes bacs. Et les zinnias, je pense les mettre en bac. J'avais aussi commandé, ça je m'en souviens plus, à la fin de l'automne passé, des tournesols, donc des sunspot sunflower, des beauty autumn beauty, parce que je les avais beaucoup aimé, les teddy bear et evening sun. Donc c'est vraiment des jolis tournesols dans les tons rouge-orangé, ce que j'avais vraiment adoré l'an passé. Alors elles, pour le coup, je vais les commencer en semis parce que vraiment, directement en terre l'an passé, ça n'avait rien donné. Je pense qu'elles s'étaient faites manger, en fait. Ceux-là, je vais bien les... Hi. Les tournesols, donc si tous mes semis prennent et que je perds pas de graines cette année, ça va aller tout le long de la façade de la maison côté jardin pour habiller cette façade toute triste, comme j'avais fait l'an passé. Mais là, je vais essayer d'en mettre le double au moins. S'il m'en reste et si je suis vraiment bien heureuse dans mes semis, bien chanceuse dans mes semis, je vais en mettre aussi en fond de jardin. Vers les sapins là-bas et peut-être sur le front yard, donc le devant de la maison. Ensuite, et ça c'est la dernière commande que j'ai faite en ligne aussi, première graine que j'ai reprise, ce sont des alyssum. Alors ça c'est pour les semer directement en terre, pour refaire ma petite bordure là, côté jardin là devant les rosiers et côté derrière là où j'ai replanté le muscari et je vous en ai parlé, pour les zones qui sont un peu éparses, en remettre un petit peu. Hyper facile. Donc ces alices, elles sont restées tout l'hiver parce que l'hiver était tellement doux. Mais en fait, si vous êtes dans un climat où il y a des gelées l'hiver, en fait ça va disparaître pendant l'hiver et ça va revenir.
Donc en plus, vous avez pas. Et j'en note 2-3 qui se sont semés, ressemés entre les dalles. Donc en plus, ça peut se débrouiller tout seul. Mais il y a des petits coins clairsemés, donc je vais en ressemer. J'ai acheté pas mal de cosmos, parce que du coup, j'en avais pas acheté chez Fleuret Farm. Et j'adore les cosmos. J'en ai acheté deux types, parce que je sais qu'il y a des cosmos de l'an passé là qui sont en train de ressortir, notamment dans mon bac où il y a mes tulipes, donc les tulipes vont être là jusqu'au milieu du printemps, mais au début de l'été, je transférerai mes semis. Mais dans ce bac, pour le moment, il y a des tulipes, et je vois qu'il y a quelques petites pousses de cosmos qui vont revenir. Donc mes cosmos un peu classiques là, dans les tons roses, blancs, ils vont revenir. Donc j'en ai acheté des abricots limonade et cupcake blush. Donc c'est des jolies couleurs là aussi que j'ai vraiment qui font un peu penser à ceux que j'avais acheté l'an passé. Ceux que j'avais plantés l'an passé, donc c'était les apricotas, trop magnifiques, et bah ça ressemble un petit peu à ça, clairement, sauf que le abricot limonade, il est un petit peu plus dilué en termes de couleurs. Donc on verra ce que ça donne cette année, j'ai trop hâte de revoir ça, parce que vraiment l'an passé c'était trop magnifique. Et j'ai acheté aussi du calendula, Pink Surprise et Sunset Buff. Vu les photos qu'il y avait sur le site, ça va être un petit peu proche en termes de coloris. Et je pense que ça va ressembler au calendula acheté l'an passé et qui est toujours là. Et que j'avais... Oiseau. Et qui est toujours là, parce que c'est passé l'hiver sans problème. C'était le calendula Bronze Beauty. Voilà, bah ça va y ressembler, franchement, je pense. Et je pense que je vais les mettre, ceux-là, assez proches aussi, enfin dans le petit coin là où il y a mes autres calendulas, pour faire un coin calendula un petit peu plus fourni cette année, sachant qu'en plus ça va rester tout l'automne et peut-être une partie de l'hiver, si l'hiver est encore doux l'an prochain. Bah dans ce cas-là, je ne vais pas m'embêter et je vais du coup me faire un joli petit coin qui va perdurer. Ça va être cool. Ça va être du temps, parce que ça avait mis du temps à germer en semis et même en pleine terre. Ça avait été un peu long, mais c'est un bon investissement parce que ça dure ici. Donc ça, c'est cool. Et enfin, deux nouveautés que je n'ai encore... Ah oui, alors pour les cosmos, je ne vous ai pas dit où est-ce que je vais les mettre. Il y aura un bac dédié aux cosmos encore. Je pense que ça sera le bac des tulipes derrière, là. Parce que les cosmos, ils sont vite vaporeux, ils vont vite en hauteur. Et du coup, mon mari vient de me faire un nouveau bac. Mais si je les mets dans ce bac-là, donc au premier plan, on ne verra pas ce qu'il y a derrière. C'est dommage, j'aime bien voir, même si je me déplace dans mon jardin constamment, et qu'au départ, c'est un jardin de fleurs coupées. Hein. Ce qu'il y a dans mes bacs, c'est pour les ramasser, pour les récolter et en profiter à l'intérieur, dans la maison. Mais en fait, j'aime bien quand même, quand je suis sur ma terrasse le matin, que j'ai pas encore mis les pieds dans l'herbe, voir mes plantations quand même de la terrasse. Et du coup, je les mettrai derrière, ça sera au deuxième plan, là où il y a les tulipes. Parce que ça va vite... ça rentre vite en hauteur. Et au premier plan, dans ce nouveau bac, eh bien, je vais mettre deux nouveautés que j'ai commandées cette année. Straw Flower, voilà, des immortelles. Ça a l'air magnifique et je les ai prises en couleur blanche, white. Et donc, on va essayer de semer ça aussi. Hein, ma petite dame, cette année, on va semer ça, ma petite fleur. Et aussi, j'ai acheté de la nigelle de Damas. C'est des fleurs dans les couleurs bleues. C'est pas ma couleur préférée en termes de fleurs, mais c'est quand même des fleurs dans leur forme qui sont magnifiques. Donc cette année, je vais essayer d'en semer aussi et de les mettre du coup dans ce bac au premier plan. Donc voilà pour mes graines pour cette année, ce que je vais semer avec vous en vidéo. Je me suis commandé un deuxième bac quand même là, vous savez, ceux comme des bacs à glaçons là. Donc pas beaucoup de nouveautés, enfin si, des nouveautés dans les couleurs, dans les coloris, pas des nouveautés dans les... variété, enfin dans les types de fleurs, sauf pour les immortelles. Je te repose 2 minutes, ma pupus, que je fasse la conclusion. Sauf pour les immortelles et pour la nigelle de Damas. Donc si vous avez des conseils à me donner pour la culture de ces deux fleurs, je suis preneuse si vous en avez déjà fait pousser. Et voilà, on fera tout ça ensemble. C'est beaucoup de graines, donc je vais pas tout faire en semis. Je pense que même sur un seul paquet, il y en aura 2-3 que je mettrai en terre, que je garderai pour un peu plus tard dans la saison quand ça sera... quand ça sera plus chaud, mais je pense que je vais commencer mes semis début avril, sachant que mi-avril, on ne sera pas là pendant 2 semaines, donc il va falloir que voilà, je laisse des instructions, c'est ma belle-mère, je pense, qui va passer.
Tac, tac, tac. Et il y a une partie des graines que je garderai pour mettre directement en terre. Donc fin mai, juin, quand il fait bien chaud et qu'il n'y a plus vraiment de risque pour tout mettre en terre. Voilà, ça germine assez rapidement et que du coup, ça soit, on ait plus de succès. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura un petit peu diverti. Comme moi, rien que de les voir, là, ça me fait rêver, je planifie, je rêve doucement. Et puis, en attendant de commencer les semis, commencez pas trop tôt. Vraiment, ça vaut pas le coup. Après, vos semis s'effilent, ils ont pas assez de lumière et on peut pas encore les sortir. Donc voilà, ça vaut pas trop le coup. Et comme je disais souvent, c'est dur de patienter, j'en ai bien conscience. Mais voilà, le jardinier tardif est souvent retardataire et souvent récompensé.